C'est pas la solution. Absolument pas. Au contraire, ce que ça donne, ce que ça a comme effet, nous pensons, c'est que ça encourage encore le plus le monde de ne pas se préoccuper de leur santé et de ne pas se préoccuper de la prévention. Et je pense que l'avenir nous le dira. C'est très coûteux. Les gouvernements n'ont plus l'argent et la population non plus n'a plus l'argent pour payer une nouvelle taxe qui va coûter environ 250 à 300 $. Et à la longue, ce qu'il va faire, c'est que les gens vont s'essouffler et les gens vont commencer peut-être à réagir. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Ma santé, mes droits existe dans le but de sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation de médicaments. L'assurance médicaments peut-elle aider les consommateurs de soins alternatifs? L'assurance médicaments ne peut pas aider les gens qui consomment des soins alternatifs parce que ceux-ci paient déjà de leur poche directement chez les fournisseurs, alors qu'aucune assurance ne les rembourse à l'heure actuelle. Alors, c'est quelque chose qui devrait vraiment changer. Mais en plus de devoir payer tous ces produits-là de leur poche, ils devront payer cette assurance médicaments qui sera obligatoire en janvier, à compter de janvier. Et ces gens n'utiliseront pas ces médicaments, car ce sont des gens qui sont axés principalement sur la prévention. Alors, ils seront doublement pénalisés, si ce n'est triplement dans certains cas, et je m'explique. Beaucoup de personnes ont des assurances médicaments à l'intérieur chez leur employeur. Alors, ils paient cette assurance-là, plus l'assurance médicaments, plus les produits de santé qui ont déjà été taxés autrefois, contiennent une taxe dissimulée. Alors, ces gens-là paient en triple tout ça pour travailler préventivement sur leur santé. Alors, on demande à tous les gens qui ont l'intention de joindre nos rangs d'appeler au numéro de téléphone que vous apercevez au bas de l'écran, le 285-2868. On vous donnera des informations quant à rallier notre regroupement Ma santé, mes droits. Nous sommes de retour avec Noël Delcourt pour le dernier exercice d'auto-hypnose. Bon, cette semaine, j'ai 15 secondes de plus, alors je vais essayer de vous aider à passer tous les exercices en revue qu'on a pu voir durant cette série de 6 émissions. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, je vous demande de vous installer confortablement et de vous concentrer sur le son et sur le rythme de ma voix, car pendant les prochaines minutes, vous laissez tout aller pour vous concentrer uniquement sur ce que je vais vous dire et permettre à votre corps de se détendre complètement. Alors, fermez maintenant vos yeux, laissez tomber votre tête, laissez aller les épaules, laissez aller aussi vos bras et vos jambes. Prenez une profonde respiration avec moi maintenant. Remplissez bien et relâchez. Encore une fois. Corps commence maintenant à se détendre. Pensez à votre visage, détendez-le. Vos paupières deviennent plus pesantes, fatiguées. Vos mâchoires décontractées. Relaxez-les. Relaxez vos mâchoires. Et laissez tomber maintenant les épaules. Tout votre corps commence lentement à se détendre. Respirez. Tous les muscles et tous les nerfs de vos bras maintenant se relâchent. Ils se relâchent de plus en plus. Et vous les laissez tomber vos bras, vos jambes maintenant. Tous les muscles, tous les nerfs de vos jambes se détendent, se relâchent de plus en plus. Tous les muscles. Tous les muscles de votre corps sont relaxés. Laissez-les aller et ressentez les bien-être de la relaxation. Dites-vous mentalement cette phrase. Je suis calme. Je me détends.
Je suis calme. Je me détends. Et vous devenez de plus en plus détendu. Relaxé. Laissez votre corps se détendre pendant que mentalement, vous vous imaginez, vous vous transportez dans un endroit paisible, avec un beau soleil. Le soleil brille, vous êtes confortablement installé au soleil et graduellement, votre corps se réchauffe, ce qui améliore la circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins, grâce à cette chaleur, se dilatent. Dites-vous mentalement, « Mon corps est chaud et vos bras et vos jambes se réchauffent. Ressentez ce petit picotement dans les bras, dans les jambes. Pensez à la chaleur, pensez au soleil, visualisez-le mentalement. Concentrez-vous maintenant avec moi sur votre plexus solaire et vous vous répétez mentalement. Mon plexus irradie la chaleur. Respirez, répétez-le encore avec moi. Mon plexus irradie la chaleur. C'est très bien. Cette chaleur se répand. Elle irradie dans tout votre corps. Elle rejoint encore vos bras, vos jambes. Tout votre intérieur se réchauffe, se relaxe et se détend. Vous vous sentez de mieux en mieux. Laissez aller de plus en plus, détendez-vous. Et enregistrez à votre subconscient qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous vous servirez de la phrase « Je suis calme et je me détends » et que vous la répéterez pour vous-même en situation de stress et de tension, vous allez remarquer immédiatement en vous un changement. Un bien-être et toute tension ou pensée négative disparaîtront. Vous reprendrez le contrôle de vos émotions, de la situation. Vous êtes bien maintenant, calme, relaxé, détendu. Écoutez ma voix. Détendez-vous complètement. Quand vous ouvrirez vos yeux à nouveau, vous reprendrez votre tonus normal et vous vous sentirez frais et dispo. Au compte de 1, ouvrez vos paupières. 3, votre corps devient plus léger. Dégourdissez les doigts, les orteils, étirez-vous. 2, respirez. Vous remontez en surface. 1, ouvrez maintenant vos yeux. Éveillez-vous complètement. Merci, M. Delcourt. Et ceci termine notre série de 6 émissions en français sur l'hypnothérapie. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre 6 émissions en anglais. Soyez des nôtres.